Einstein a dit, avec la logique, on peut aller d'un point A à un point B. Mais avec l'imagination et l'audace, on peut aller partout où on veut. Et donc, moi, j'appelle vraiment cette jeunesse à y croire, à oser et à aller vers ses rêves, quel que soit le domaine. Marié et âgé de 44 ans, présenté comme un proche de Moïse Katumbi, Jean-Michel Samalukonde Kyenge est le nouveau Premier ministre de la République démocratique du Congo. La lecture de sa nomination par le chef de l'État est intervenue ce lundi 15 février 2021 en direct de la télévision nationale RTNC via le porte-parole du chef de l'État. Un événement qui met fin à une longue attente après la démission de Sylvestre Ilunga Ilunkamba, lui également comme le nouveau locataire de la primature, un ancien gestionnaire d'une entreprise de l'État dans le Katanga. Si le premier, c'est la SNCC, lui, c'est la GKMIN, d'où il était directeur général. Quelques heures après sa nomination, le nouveau chef de l'exécutif congolais a été reçu par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Palais de la Nation. Au terme de cette rencontre, l'homme qui s'est confié à la presse est conscient des défis qui l'attendent. Lui qui devra être l'exécutant au sein du gouvernement qu'il va diriger, de la vision du président de la République. Tout à l'heure, son Excellence, Monsieur le Président de la République, a bien voulu nous accorder de sa première audience, nous avons eu un entretien parce que je tenais à avoir sa vision. Vision qui s'inscrit dans l'union sur la nation. Et ses mots sont revenus sur les préoccupations. Les préoccupations qu'il a entendues du peuple congolais à travers les consultations qui avaient été données. Ces préoccupations du peuple congolais concernaient principalement la sécurité. Et comme vous le savez, ça va être un des domaines prioritaires. Premier ministre de leur union sacrée de la nation, 36e premier ministre de l'histoire de la République démocratique du Congo depuis l'accession à l'indépendance, Samalukonde est né à Paris le 4 août 1977. Fils de Faustine Mwansa et de Stéphane Lukonde Kyenge, c'est un ingénieur de formation. Le 3 juin 2019, il est devenu directeur général de la Générale des Carrières et des Mines, GKMIN, aux côtés d'Albert Yuma, le président du conseil d'administration. Ancien ministre de la Jeunesse et des Sports sous Joseph Kabila. En 2015, il est membre actif du parti politique Avenir du Congo de Danny Banza, ce dernier aujourd'hui ambassadeur itinérant du chef de l'État.